À tous j'espère que vous allez bien je suis le pasteur ivo Mouquetou, très heureux de vous retrouver pour ces temps d'enseignement de partage de la parole mon équipe multimédia et moi-même sommes très heureux de revenir après une, une pause on va dire suite à la vie spirituelle de l'église on a eu un temps de jeûne et de prière et donc on a eu la consigne de suspendre les activités que nous faisions pour nous concentrer sur ce travail spirituel qui a été fait, qui a été un succès. Nous bénissons Dieu pour ça et donc nous pouvons reprendre le cours de nos activités classiques. Donc je suis très heureux de vous retrouver et de pouvoir vous édifier. Je vous invite vraiment à partager le lien de cet enseignement parce que nous continuons la série que nous avons commencée sur les dangers de l'occultisme. Et je sais que plusieurs ont vraiment été bénis par cet enseignement. Et, et nous avons eu la grâce aussi, même d'écouter euh, dans cette période de temps, des enseignements complémentaires par notre apôtre, l'apôtre Alain-Patrick Tsengue, qui a donc parlé des forces qui se cachent derrière les problèmes que nous rencontrons. Et vous voyez que, <coughs> pardon, c'est important d'être au courant de ces choses pour ne pas être une victime euh, malheureuse, une victime malheureuse. De, de ces forces qui se mettent parfois sur le chemin de notre destinée, de notre succès, de notre bien-être. Donc, nous allons aller un peu plus en profondeur. Je vous invite à prier quelques instants avec moi avant que nous ne puissions démarrer l'enseignement. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ces moments. Nous voulons nous remettre à toi et à ta parole. Que l'Esprit de Dieu nous enseigne, nous éclaire et conduise toutes choses. Merci de bénir mes frères et sœurs qui sont connectés pour suivre cet enseignement. Nous tournons la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. <coughs> gloire à Dieu. Excusez-moi. <coughs> Alors, donc, on a déjà eu deux sé sé séances euh, sur notre thème, les dangers de l'occultisme. Donc, c'est toutes ces pratiques euh, qui tournent autour... Euh, de l'idolâtrie, de la magie, de la sorcellerie, euh, les envoûtements, les sorts, etc. Vous savez, euh, ce sont des pratiques parfois que dans notre société, on banalise, mais qui sont véritablement des portes d'entrée que le diable va utiliser pour nous faire du mal, pour nous faire du tort. Quand même, vous utiliserez ces pratiques pour votre avancement, pour votre bien. Euh, elles vont se retourner contre vous parce que vous délez avec des esprits méchants, vous délez avec des esprits impurs. Et j'ai dit la dernière fois que ces esprits ne peuvent pas faire le bien, ils ne savent pas faire le bien, ils, ils ne sont pas, euh, comment dire ça, conçus pour faire le bien, à cause de la nature du mal qui les caractérise, même s'ils vous font du bien avec la main gauche ils vous feront doublement du mal avec la main droite. S'ils vous donnent avec une main, ils reprendront le double avec l'autre main. Donc, il faut absolument se méfier de ces esprits mauvais. Donc, on a parlé de plusieurs dangers déjà à ce stade. On a parlé des souillures de l'esprit, d'accord Parce que ces esprits mauvais sont souillés de façon intrinsèque. Et quiconque entre en relation avec eux, va également se souiller quiconque entre en relation avec eux va également attirer ses souillures spirituelles sur lui et donc euh, il faut éviter ces choses-là vous savez personne n'aimerait euh, traîner avec lui des ordures vous comprenez ça euh, personne n'aimerait avoir cette mauvaise odeur lorsqu'il va quelque part c'est la même chose sur le plan spirituel lorsqu'on s'amuse avec ces mauvais esprits il y a des souillures qui colle notre esprit, qui colle notre âme, notre corps, et qui se déverse après dans tous les autres domaines de notre vie. Donc ça, c'est un danger. Il ne faut pas du tout, et on l'a vu, euh, la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Nous ne devons pas entrer en relation ni avec le diable, ni avec les démons. Je vous donnerai encore d'autres versets bibliques dans ce sens. L'autre danger aussi qu'on a dénoncé, et je, je reviens très rapidement là-dessus, c'est que le diable veut faire de vous ses esclaves. La Bible nous dit que Jésus-Christ a été oint et il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise de Satan. Satan veut avoir une emprise sur vous. Non seulement il veut vous souiller, mais il veut aussi avoir le contrôle sur votre vie. Et si vous n'êtes pas en Christ, si vous n'êtes pas en Jésus, si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous êtes à la merci de cette emprise que le diable peut avoir sur vous. Vous êtes, vous êtes une victime euh, gratuite euh, qui est livrée à Satan. Vous savez, quand nous donnons notre cœur à Jésus, la Bible dit que nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres. Ça veut dire que la puissance des ténèbres existe bel et bien et elle exerce un contrôle dans la vie de tous ceux qui ne sont pas en Dieu, de façon légale. Maintenant, ceux qui sont en Dieu, ils doivent connaître Dieu, ils doivent connaître les principes du royaume et ils doivent veiller à leur spiritualité pour ne pas permettre à l'ennemi de pouvoir avoir une emprise sur leur vie. Donc ça, c'est très important. C'est un danger qu'il faut vraiment dénoncer ici, c'est que le diable veut faire de vous son esclave. Une autre chose, c'est qu'il veut vous amener à poser des actions abominables aux yeux de Dieu, et très certainement aussi aux yeux des hommes. Il y a des abominations qui vont être la conséquence de certaines pratiques occultes, certaines pratiques euh, qui sont euh, dans les, 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 les sciences occultes, certains rituels qui non seulement vous mettent en danger euh, directement, mais mettent en danger également les personnes qui vous côtoient, les personnes qui vous entourent, voyez, parce que le diable ne veut pas faire du bien et il veut passer par vous pour faire du mal aux autres. C'est pourquoi on parle des sorciers, justement, qui vont s'amuser à, 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 à et, et tirer un malin plaisir, à jeter des sorts aux gens pour qu'il leur arrive malheur, pour qu'il leur arrive des complications dans leur vie. Mais sachez que en Christ Jésus, nous sommes protégés et nous sommes au-dessus du diable, des démons et de tous les esprits méchants qui existent. Amen, amen. J'espère que vous êtes avec moi, que vous avez partagé parce que nous allons aller vraiment dans la parole de Dieu. Alors la dernière fois, j'ai évoqué une histoire dans la parole de Dieu et je n'avais pas donné la référence. C'est l'histoire de ce magicien qui s'était converti mais qui ne s'était pas véritablement répandu, qui avait gardé ses pratiques et qui avait été dénoncé par l'apôtre Pierre. Donc ça, on l'a vu dans Acte des Apôtres chapitre 8. Et dans Acte 19, c'est le verset que je devais vous donner la dernière fois. Donc on va partir aujourd'hui de ce passage. Acte 19, à partir du verset 18. On va le lire ensemble. Acte des Apôtres, donc on est dans les le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. Alors, voici ce que la Bible dit. Acte 19-18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Gloire à Dieu. Vous voyez, ce passage nous dit très clairement que lorsque la parole de Dieu était prêchée et que les gens croyaient en Jésus, ceux qui croyaient en Jésus venaient confesser publiquement les pratiques dans lesquelles ils étaient. Ils, ils venaient marquer leur volonté d'abandonner ces choses. Vous savez, si vous avez honte de renoncer à ces choses, si vous, avez, si vous avez honte de dénoncer ces choses, c'est que vous y êtes encore attaché et vous ne pourrez pas être totalement délivré. Et vous êtes toujours à la merci des dangers de ces pratiques et de ces choses que vous aviez vous-même euh, entreprises. Donc, on dit que plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques. Donc, avant de croire en Jésus, ils exerçaient les arts magiques. Ils ont reçu l'évangile, ils ont reçu la parole, ils ont cru en Jésus et ils ont compris les dangers de leur pratique magique. Ils ont compris les dangers de ces choses. Et qu'est-ce qu'ils ont pris comme initiative Donc, confesser cela, pour dénoncer cela, et ensuite, ils ont apporté leurs livres. Ils ont apporté les livres, ce qui était la base qui leur a appris ces choses. Ils les ont apportés et les brûlèrent devant tout le monde. J'aimerais te dire ceci, tu as intérêt. Si tu veux marcher avec Dieu, à renoncer publiquement à ses pratiques et à tous les objets liés à ces pratiques, que ce soit les fétiches, que ce soit les livres, que ce soit des bagues, que ce soit des amulettes, que ce soit des talismans, peu importe l'objet euh, rituel que tu utilisais. Il faut en défaire, il faut en séparer, il faut qu'on le détruise, il faut qu'on le brûle, il faut que ça se fasse en public. La Bible dit que Jésus-Christ a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Voyez-vous, ce qui s'est passé à la croix, dans le monde naturel, on voyait juste Jésus crucifié, mais dans le monde spirituel, c'était à ce lieu. Que Jésus a dépouillé le diable, les démons, les esprits méchants. Il les a euh, terrassés et il les a traînés en public dans le monde spirituel. Gloire à Dieu. Donc comprenez que c'est important de dénoncer les arts magiques dans lesquels vous étiez et de pouvoir vous débarrasser de façon définitive des livres et des objets qui sont liés à ces pratiques-là. J'écoutais un homme de Dieu qui disait que euh, la, la, la valeur de ces 50 000 pièces d'argent ramenées à notre époque aujourd'hui équivaut à peu près à 5 millions de dollars. Je ne sais pas si vous imaginez un peu euh, ce que ça représente comme dégâts dans le monde des ténèbres. Ok Donc ces objets qui avaient de la valeur, c'était des livres qui ont coûté de l'argent. Ils ont décidé de le détruire, de le brûler. J'aimerais vous dire. Si vous n'avez pas le courage de le faire vous-même, venez, venez nous voir, allez voir des hommes de Dieu et ils vont vous accompagner dans cette démarche. Parce qu'il faut marquer, euh, comment dire ça, euh, euh, une transition radicale. Il faut marquer une séparation claire et nette avec ces pratiques et tous les objets qui vous connectaient à ces pratiques. Donc, ça, c'est très important de comprendre que nous devons abandonner ces pratiques-là et nous devons nous tourner véritablement vers le Seigneur. On va lire maintenant Marc, chapitre 5. L'évangile de Marc au chapitre 5. Je vais, je vais lire une longue histoire, ok, de la délivrance de, du fou de Gadara. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint devant, au devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne. Voici ce, les dangers. Quand vous ouvrez les portes à des esprits impurs, voici jusqu'où ils peuvent vous amener. Ils vont vous désociabiliser, ils vont, ils vont vous faire sortir des sentiers normaux euh, de la société pour vous amener à vivre une vie de paria, une vie vraiment qui est totalement déconnectée des, de, de la société et, et, et des gens de la société. Donc, on dit que cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus le lier. Vous voyez ça Ce démon-là l'a mené à dormir dans le cimetière. Et euh, on ne pouvait même pas l'attacher parce qu'il avait une force surnaturelle qui brisait les chaînes avec lesquelles on voulait le, le contenir. On dit qu'à souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il les avait rompus. Il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Souvent, ces démons-là, ils vont décupler. Euh, la, la force naturelle de ce qu'ils possèdent. Mais ce n'est pas pour leur bien, c'est pour leur mal. Vous comprenez ça C'est pour leur faire du mal. Et écoutez ça. On dit ceci. On dit, il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Vous voyez ça Il est possédé d'esprits mauvais qui l'isolent, qui le font sortir de la société et qui l'amènent à se, à se mortifier, à se faire du mal lui-même. Vous voyez, c'est dangereux de s'amuser avec des démons. Ces démons-là vont vous amener à vous faire du mal vous-même. Combien de personnes ne se sont pas jetées, euh, défenestrées, parce qu'ils ont entendu des esprits les pousser à le faire Vous voyez ça et ils, ont, ils ont posé des actes très graves et très regrettables. Pour eux-mêmes et pour les autres. Parce qu'il y avait cette influence démoniaque. Bien aimé, c'est dangereux de s'amuser avec des esprits impurs. Ils sont mauvais, ils sont méchants. Vous ne pouvez pas jouer avec ça euh, et penser que vous allez vous en tirer comme ça. Faisons extrêmement attention. Regardez, il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Il se faisait du mal lui-même. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Voilà, l'autorité de Jésus est supérieure à l'emprise de Satan. J'aimerais te dire, peu importe l'emprise que le diable a sur ta vie, Jésus vient pour te délivrer, Jésus vient pour te libérer. Si tu entends ce message, sache que Jésus vient à toi par ce message, par ma voix, il vient à toi pour te délivrer si tu connais quelqu'un qui est dans les chaînes quelqu'un qui est oppressé quelqu'un qui a été désociabilisé à, à, par, par, par des forces qui, qui le dépassent partage lui cet enseignement jésus va se présenter devant lui pour le délivrer je le déclare au nom de jésus amen 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 ayant vu jésus de loin il accourut se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte qu'y a-t-il entre moi et toi Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Vous voyez ça Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Vous voyez, quand Jésus dit, sors de cet homme, il le dit, il y a une puissance qui vient tourmenter le démon qui, en, qui euh, possédait cet homme. Et je viens dire, si tu m'entends et que tu es sous l'emprise de Satan, je dis esprit impur. Sors, si tu es sous l'emprise d'un démon, d'un esprit familier, peu importe, je dis esprit impur, sors de cet homme, je te tourmente au nom de Jésus. Tu sors et tu laisses cet homme tranquille, tu laisses cette femme tranquille au nom de Jésus. Vous voyez, les démons, on n'a pas à négocier avec eux. La seule chose qu'on a à leur dire, c'est tu dégages. Tu dégages, tu n'as rien à faire là. La Bible dit dans 1 Jean 5 8 ou 1 Jean 3 8, je ne sais plus exactement, le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du malin. Je, je, vais vous donner, je vais vous donner la, la référence parce que c'est important. Euh, c'est 1 Jean 3 8. Celui qui pêche est du diable car le diable pêche le commencement. Le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus, a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc si le diable a des œuvres dans ta vie, sache que Jésus est, est venu pour détruire ses œuvres. Et nous qui sommes les enfants de Dieu, nous qui sommes les serviteurs de Dieu, nous sommes points et nous sommes équipés pour détruire également les œuvres du diable. Voilà. Car Jésus lui disait, Sors de cet homme, esprit impur. Et lui demanda. Quel est ton nom Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Voyez un homme qui est possédé de plusieurs démons. Bien-aimé, je ne suis pas sûr que c'était son désir d'avoir plusieurs démons. Peut-être qu'il avait commencé juste avec un démon. Mais écoutez-moi, si vous ouvrez la porte à un démon, ce démon ouvrira la porte à ses potes qui sont plus méchants, plus dangereux que lui, et ils viendront faire le bazar dans votre vie et dans votre destinée. Les amis, c'est dangereux de s'amuser à entrer en relation avec les démons. Je suis ici pour dénoncer les dangers de l'occultisme et vous dire que le diable ne vous veut pas du bien, les démons ne vous veulent pas du bien et ils veulent vous détruire, détruire votre vie. Une légion, c'était entre 6000 et 8000 soldats. Donc quand il dit nous sommes une légion ici, c'est-à-dire qu'il y avait à peu près 6 000 à 8 000 démons dans une seule personne. Quelle catastrophe! Quelle catastrophe! Donc, en le priant, donc, et Jésus donc demande Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Donc, c'est le chef qui parle. Hein? Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient et les démons le prièrent disant envoie nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux il le leur permit et les esprits impurs sortirent entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer et il y avait environ deux mille, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Et les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu. Et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Est-ce que vous entendez cette histoire Jésus est capable de délivrer n'importe qui de l'emprise de Satan, de l'emprise des démons. Il est capable de te redonner du bon sens. Il est capable de te redonner la santé. Il est, il est capable de te redonner la sociabilité que tu as perdue. Voyez les gens qui sont dans les pratiques occultes, dans les pratiques euh, magiques, etc. Ils vont souvent s'isoler, ok, parce que c'est une des méthodes du diable. C'est toujours vous isoler afin de mieux vous manipuler et de mieux vous détruire. Il vous isole de vos parents, il vous isole de vos amis, il vous isole des de, de, de personnes qui vous aiment. Et il vous fait croire que ces personnes ne vous veulent pas du bien et que vous devez leur faire du mal. Vous comprenez ça Il vous, il vous amène dans une affabulation qui n'a aucun sens parce qu'il vous a écarté. Donc, méfiez-vous de ces pratiques où vous entrez en relation avec un esprit, avec un démon, pensant que ça va juste s'arrêter là, les amis. Il y a un gros risque il y a un gros risque. Mais gloire soit rendue à Dieu pour le ministère de Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont euh, vraiment euh, sous l'emprise euh, des démons et qui vont perdre la raison. Ils vont perdre totalement la raison. Euh, il y a quelques années de cela, j'étais parti à Libreville, je crois que c'était... Euh, en 2012 ou 2013. J'étais reparti à Libreville après plusieurs années passées en France et je, je circulais un jour, je suis allé acheter du pain dans une boulangerie et au sortir de là, je vois un SDF, un mendiant, quelqu'un de très mal habillé, de très sale, qui vient vers moi et qui me dit, grand frère, est-ce que tu peux me donner une petite pièce et je regarde la personne, je vois que c'est Cédric, un collègue avec qui j'ai été au primaire. J'étais scandalisé, j'étais choqué, j'étais attristé. Je lui dis, oh, mais Cédric, qu'est-ce qui t'est arrivé Pourquoi tu es dans un tel état Il me dit, oh grand, j'ai trop de problèmes. J'ai dit, est-ce que tu te rappelles de moi Et Il me dit, non, grand. J'ai dit, mais c'est Yvon, on était à l'école primaire à Sainte-Marie ensemble. Je lui dis dit, mais, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Cédric Pourquoi Il me dit, ah, oh, grand, j'ai touché à la magie. J'ai touché à la magie. Bien aimé, il me l'a dit naturellement. Il me dit, j'ai touché à la magie. C'est pourquoi je suis comme ça. J'ai touché à la magie. Mais est-ce que tu n'as pas une pièce Les amis, j'avais le cœur brisé. J'avais le cœur brisé, j'avais tous les flashs de ces temps où nous étions ensemble. On allait se balader ensemble, on allait à la plage. Notre école était. Il y avait une plage en face. On allait à la plage ensemble, on jouait au foot ensemble. Et je le vois complètement, euh, 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 comment on appelle ça, fou, avec un peu de sens, parce qu'il vient quand même, il vient mendier. Et, et la raison qu'il me dit. C'est qu'il a touché à la magie. Je sais que ce n'est pas un cas isolé. Beaucoup d'entre nous euh, ont, ont des, des témoignages de ce genre, des personnes qui vont toucher à la magie, qui vont toucher à l'occultisme, qui vont toucher à des pratiques occultes pour obtenir un certain nombre de choses. Mais ça se retourne contre eux après. Voyez ce jeune garçon. On, on, on est à peu près de la même, la même tranche d'âge, mais il se retrouve complètement désœuvré, complètement désociabilisé, complètement perdu dans la vie. Je vous assure, les amis, j'avais le cœur tellement brisé. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi de Cédric, fais quelque chose dans sa vie. Délivre-le. Délivre-le. Vous connaissez peut-être aussi des gens comme ça, qui ont voulu juste être brillants à l'école. Et pour ça, ils sont allés consulter des voyants, ils sont allés consulter des personnes, soi-disant, pour amplifier leur intelligence sur le, euh, 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 par des pratiques euh, surnaturelles. Vous avez des gens aussi qui vont euh, exercer des pratiques occultes pour, dans le cadre scolaire pour euh, voler l'intelligence des autres, pour détourner l'intelligence des autres à leur profit. Est-ce que vous comprenez ça? Et, et nous avons eu le témoignage euh, de notre apôtre qui nous raconte que lorsqu'il était en terminale, il en a été victime. Ce sont les choses réelles. Si vous ne croyez pas que ces choses existent, elles existent vraiment. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours, les amis. Ce monde est sous l'emprise de Satan. Et il fait n'importe quoi dans la vie des gens qui ne sont pas réconciliés avec Dieu ou qui lui ouvrent des portes. Est-ce que vous comprenez ça Non, l'apôtre Alain Patrick nous a raconté le témoignage lorsqu'il était en terminale. Il était premier de sa classe pendant toute l'année et arrivé au bac, il a échoué brillamment le bac. Et ce qui s'est passé entre-temps, c'est que il avait un collègue de classe qu'il avait invité, qu'il invitait tout le temps à venir chez sa grand-mère avec lui pour, pas, pour réviser. Et l'apôtre refusait à chaque fois, jusqu'au jour où cet ami lui a donné un comprimé, soi-disant un médicament qui, euh, c'était vit des vitamines pour être en forme euh, à l'approche des examens, etc. Vous vous rendez compte qu'il euh, a pris ce comprimé et il a dormi. Pendant une épreuve de 4 heures, il a dormi pendant 3 heures de temps et il s'est réveillé en sursaut et il n'a eu qu'une heure de temps pour composer. Et c'était une matière qui avait un coefficient très élevé. Et c'est comme ça qu'au moment de la proclamation des résultats du bac, lui, l'apôtre Alain Patrick, il a échoué, il l'a mis en question, il a obtenu son bac. Et c'était un choc pour, pour lui. Et euh, l'ami en question va ricaner, il va lui dire « Ah, euh, Tsenge, euh, j'ai volé ton intelligence, c'est pourquoi tu as échoué au bac. Euh, et moi, j'ai volé ton intelligence et j'ai eu le bac. » Vous vous rendez compte Il est allé faire des pratiques pour envoûter un collègue. Et l'apôtre lui a répondu à cette époque, il lui a dit, écoute, tu ne me connais pas, tu ne connais pas mon Dieu, tu ne connais pas ma famille, et je vais te prouver que notre Dieu est plus puissant que ce que tu as fait. Et vous savez quoi, il est allé prier avec sa famille, etc. Et ils ont fait des réclamations, et ils ont découvert qu'il y a des copies qui avaient été égarées. Donc les copies de l'apôtre Alain Patrick avaient été égarées, et du coup, ça a été reconsidéré. Et finalement, il y a une liste de personnes qui avaient été rajoutées comme quoi ils ont eu, ils ont eu le bac, euh, contrairement à ce qui avait été annoncé. Et vous voyez, l'évangile, la puissance de Dieu a prévalu dans ce cas. Et j'aimerais vous dire que la puissance de Dieu prévaudra, peu importe ce que le diable mettra sur votre chemin. Vous pouvez vous tourner vers Dieu, espérer en lui. Il est capable de vous délivrer, il est capable de vous sauver, il est capable de vous mettre en sécurité parce que vous êtes son enfant. Que Dieu vous bénisse. On se dit à une prochaine fois pour la suite des dangers de l'occultisme. Seigneur, je prie que toutes les personnes qui ont entendu cette parole, Seigneur, reçoivent par la puissante nom de Jésus une visitation de ta part qui va les délivrer de toute emprise, de tout envoûtement. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur parce que tu le fais maintenant. Amen. Soyez bénis les amis, n'hésitez pas à partager ce live comme je l'ai dit et de nous faire des retours si vous êtes bénis par cet enseignement. Je vous dis à la prochaine fois et à très bientôt. Ciao, bye bye. Ce direct vous a été proposé par l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil de Lyon. Merci de l'avoir suivi et nous espérons que vous avez été bénis. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre relation avec Dieu et vivre la vie que Christ a prévue pour vous, contactez-nous immédiatement. Pour ce faire, c'est simple. Vous pouvez soit nous envoyer un message sur notre messagerie Facebook ou Instagram à de Lyon, ou alors nous envoyer un mail à contacts.seurlion.com. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube et active la cloche de notification afin de ne plus manquer aucun de nos directs. Avant de partir, laisse-nous un commentaire, un pouce bleu et partage le lien de cette vidéo autour de toi. A très vite, sur Lyon.